Barcelona. Kebao. Boma Bangodi. China Motalaka. Salutations à tout le monde. Les abambis. En tout cas, merci Nalibanga. Je suis très content, très ému. Na affection pour Pessinga. En tout cas, je ne sais même pas comment vous remercier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, beaucoup, en tout cas, la semaine ici, j'ai reçu beaucoup d'appels à travers le monde entier, puisqu'il y avait même des Brésiliens, les gens qui habitent, les Congolais du Brésil, il y a des Congolais d'Australie, de Nouvelle-Zélande, beaucoup de Congolais m'ont appelé. Il y a deux aussi que j'ai écouté sur les réseaux sociaux en train de se plaindre pour la soi-disant. La Nikki Menga, que moi j'appelle maman sociale de ces derniers temps, puisqu'elle a fait des actions concrètes que j'ai vues avec mes propres yeux. Les gens commencent à se plaindre qu'elle ne raccroche pas les téléphones. En tout cas, je me suis rassuré que la vidéo ici vous fera plaisir et ça va finir toutes vos inquiétudes, s'il vous plaît. Inquiétudes. La première des choses que je dirais est celle-ci. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi Nikki Menga, que moi j'appelle maman sociale, de septembre 2021, août et juillet 2021, elle n'est pas Nikki Menga de 2021, avril, février et mars? Ce sont deux personnes différentes. Nous avons Nikki qui était dans une position vulnérable au mois de février, de beaucoup d'années jusqu'au mois de mai. Et il y a une fille, une dame qui est venue, qui est sortie en elle, une femme forte, depuis le mois de juillet jusqu'au moment où je ne sais, peut-être jusqu'à 2050. C'est une femme maintenant forte. La femme qui prenait le téléphone pendant l'état de vulnérabilité, aujourd'hui, elle a beaucoup de connaissances. Moi, je vais vous dire d'abord la chose, en tant que famille, en tant que humain. Nikki Menga qui est là, elle a une famille. À part les affaires des réseaux sociaux, à part l'association, à part tout ce qu'elle peut faire en tant qu'une personne, elle a une famille restreinte avec la petite famille composée de ses enfants et elle-même. Elle a de la maman et peut avoir des frères et des sœurs. Imaginez-vous que l'ampleur de la situation de Nikki Menga avait traversé les frontières congolaises, les frontières françaises. L'affaire de Nikki Menga a traversé tous les cinq continents. Il y a les gens qui connaissent et qui soutiennent Nikki Menga à partir d'Australie, à partir du Brésil, moi je vous parle, Argentine, à Chili aussi, il y a aussi des Congolais qui appellent pour toujours compatir avec Nikki Menga. Ici au Canada, aux États-Unis, toute l'Europe a parlé. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Nikki Menga, Barcelone, maman sociale. Si elle prenait le téléphone de tout le monde, est-ce qu'elle aura même un téléphone toujours à batterie, chargé? Imaginez-vous une personne qui a déjà une renommée quelconque. Si elle recevait par exemple, je dis par exemple, 30 à 40 appels par jour. Est-ce normal? Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi agitez-vous? Pourquoi? Si vous soutenez quelqu'un dans les bons, elle n'a pas besoin de vous appeler, elle n'a pas besoin de beaucoup. Est-ce qu'elle a besoin de vous parler chaque jour? Si vous avez besoin de ces nouvelles, allez consulter son Instagram. Si vous avez besoin de ces nouvelles, consultez ses proches. Pourquoi vous vous agitez? N'est-ce pas que vous êtes, Dr. Boyaki, vous êtes venu pour soutenir la personne de Nikki Menga. Vous êtes venu supporter Nikki Menga et non être son ami, ses amis. Vous êtes là pour la soutenir dans les bons. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des menaces entre, je ne sais pas, Nikki, NK, tout ça. Ça pourra arriver, c'est normal. Les hommes, les humains, les êtres humains, partout, ils ont toujours eu des problèmes.
Si toi, si par exemple, un jour, tu avais déjà eu des problèmes avec ta propre maman, ton propre père, tes propres enfants, à plus forte raison, la personne que vous n'avez aucun lien familial avec, des personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Si il n'y a pas de connexion, tu peux avoir les sentiments avec quelqu'un. Si la personne-là n'a pas de sentiments envers toi, soit Nikimenga elle-même, elle doit avoir confiance à des personnes avec qui elle pourra communiquer, puisque ces derniers temps, tout le monde est en train d'enregistrer tout le monde. Alors, quand vous appelez Nikimenga, peut-être elle a peur que vous allez l'enregistrer. Peut-être elle a peur aussi que. Elle doit aussi se protéger. Elle doit se protéger. Elle doit être fatiguée. Elle vient de l'Afrique. Elle a fait beaucoup. Beaucoup de travail, beaucoup d'actions en Afrique. Elle doit être fatiguée. Dès son arrivée en France, elle doit aussi communiquer avec les gens, avec la nouvelle famille qu'elle a créée en Afrique. Elle doit aussi, elle doit aussi encore elle doit renouer encore avec ses relations avec ses enfants. Il y a beaucoup de choses. Les enfants vont à l'école. Elle doit aussi réarranger la vie puisqu'elle vient d'arriver. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Donnez aussi la personne le temps de s'organiser. Il ne faut pas vous énerver pour des choses inutiles, des choses qui ne sont pas importantes. La chose la plus importante dans ma Kambuya Nikimenga, la chose la plus importante, c'est regarder comment vous allez évoluer avec l'association. Avec des rêves. Il ne faut pas être comme des Congolais qui viennent en Occident avec l'Afrique sur les dos, avec leur pays, soit leur village sur les dos. L'association Nikimenga n'a pas besoin de créer seulement des amis. Il faut créer des objectifs. Il faut avoir des objectifs. C'est une association objective et non une association subjective. C'est une association objective. Et là, l'association a d'objectifs. Pas association d'appel. Quand vous allez appeler Nikimenga, vous allez parler de quoi, mes chers amis, mes chères sœurs, mes chères grandes sœurs, petites sœurs? Quand vous appelez Niki, vous allez l'appeler pour dire quoi? Si elle ne décroche pas le téléphone, est-ce que c'est parce qu'elle est occupée? Elle peut. Imaginez-vous que vous l'appelez. Il y a l'autre. Peut-être elle est sur le téléphone avec autre. Elle est au téléphone avec une autre personne. Après ça, elle a des messages aussi à lire, des voices. Imaginez une personne qui vient de créer une nouvelle famille, une famille qui est encore vraiment, une famille qui est encore bébé, une famille vraiment jeune. Elle doit être sûre que les personnes avec lesquelles elle communique sont des personnes vraies. Pas de traître. Vous voyez, vous connaissez vous-même la situation qui se passe au sein de la team Niki, au sein de l'association. Vous connaissez vous-même parce qu'elle est encore nouvelle. L'association, elle est encore nouvelle. Elle est encore jeune. Elle n'a pas encore mûr. Elle n'est pas mûre. Alors, il y a des personnes avec qui Niki parle. Il y a des gens qui les recordent, qui enregistrent tous ces voices. Alors, elle doit avoir des confiances avec tout le monde. Il faut donner aussi des crédits à des personnes. Il ne faut pas seulement vous fâcher, passer à la télévision, commencer à insulter, commencer à parler de n'importe quoi. Elle n'est pas sainte. La seule chose que je sais dans ma vie, Nikimenga n'est pas sainte. Elle a aussi des défauts, elle a aussi des faiblesses. Tout comme toi qui te plains, tu as aussi des défauts, tu as aussi des faiblesses, tu as aussi des côtés positifs. Même moi qui vous parle aussi, j'ai des côtés négatifs, des côtés positifs. C'est la vie, c'est la nature d'une personne, d'un être humain, c'est une nature. Si on ne décroche pas ton téléphone aujourd'hui, elle pourra décrocher ça demain ou après-demain, quand elle sera disponible. Pourquoi ce que Moutoyambi quelqu'un ne décroche pas le téléphone? Tu commences à l'insulter. Mais je vais te dire ceci. Depuis que Dieu nous appelle, Dieu, depuis qu'on connaît le problème de la Bible là, Dieu nous a toujours appelés. Est-ce que nous, on a déjà répondu à son appel? Depuis que Dieu nous appelle, on n'a pas encore répondu à ses appels. Mais c'est Nikimenga, un petit appel là, un petit appel là, tu veux faire palabre, tu passes les réseaux sociaux pour créer des problèmes. Pendant que Jésus, là, Dieu, qui t'appelle chaque jour, il frappe à ta porte, il t'appelle. Toi, tu n'ouvres pas la porte, tu n'as jamais décroché le téléphone pour dire.
C'est à la femme là qui a des défauts aussi. Une femme qui a des ça comme toi, tu vas t'énerver, tu vas t'acharner contre la personne là. Mes chers amis, il faut réfléchir, il faut être aussi des êtres humains. Les personnes là, même, vous regardez même des petits musiciens au Congo. Dès qu'ils ont une seule chanson, ils ne décrochent même pas le téléphone. Puisqu'ils ont ils ont aussi des connaissances, des connexions, ils ont peur aussi de perdre d'autres choses. Niki aussi, elle est une personne, elle a déjà fait des connexions, des connaissances. Il y a les gens qui l'ont déçue. C'est une femme qui a vécu beaucoup de déceptions. Une femme qui a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. Il y a des gens à qui elle a donné confiance. Les gens là l'ont déçue. Les gens des réseaux sociaux. Maintenant, nous là, on l'a connue sur les réseaux sociaux. Quand on veut se confier à elle, est-ce c'est normal que nous, on se confie à elle? C'est à elle maintenant de savoir, est-ce que ces gens-là sont vrais? Est-ce que ce sont des vraies personnes avec qui je peux compter, sur qui je peux compter, à qui je peux faire confiance? Avec tous ces enregistrements qui se passent toujours sous coulisses, les gens qui l'appellent, ils ont tendance toujours à faire du mal à la personne-là. Si vous voyez bien même, c'est à partir de Brazza que j'ai bien, bien compris Nicki Minaj. Vous voyez partout où elle est passée. Elle a eu le temps de danser, de s'amuser. Donc, c'est une femme qui ne veut pas de stress. C'est une femme qui veut s'amuser, qui veut vivre aussi la vie comme tout le monde. C'est une femme qui veut aussi s'enjailler. Elle veut vivre sa vie, une vie qu'elle a perdue et veut récupérer ça. Donnez-lui la chance. Nous sommes venus ici pour dire qu'elle était vulnérable, on doit la supporter. Maintenant, on commence à la voir, elle s'envole bien. Maintenant, on commence encore à jeter des cailloux. On commence à mettre des bateaux dans les roues de Nicki Minaj. Ce qui n'est pas bien, ça c'est une jalousie directe. C'est une jalousie indirecte, je dirais. Nous avons crié ici chaque jour, nous avions crié pendant des mois que la femme là était vulnérable. Elle est dans une position de faiblesse. Nous devons la soutenir pour qu'elle soit dans une position forte. C'est ça que on disait chaque jour, plus de 6 mois, on a dit ça. Aujourd'hui, elle vient de se rétablir. Elle vient de prendre son élan. C'est maintenant vous là, vous qui l'avez supporté, vous commencez maintenant à vous chamailler. Vous commencez. C'est une jalousie. Vous voulez être à sa place. Chacun a son étoile. Chacun a son tour chez le coiffeur. Si aujourd'hui la chance a souri à Nicki Minaj, applaudissons. Gloire à Dieu. C'est un point positif pour la communauté congolaise. Et surtout qu'elle a donné son corps et âme à soutenir aussi d'autres personnes. Pas seulement elle, d'autres personnes. Quels que soient les gens, vous criez, on leur donne l'argent. Les gens, vous criez, criez. Il y a déjà, comme est-ce que elle est la première personne qu'on donne l'argent? Elle n'est pas la première et elle ne sera même pas la dernière personne à recevoir l'argent de chez gens. Il y a les gens qu'on donne. C'est comme ça que les gens évoluent. Celui qui a l'association, on doit lui donner quelque chose pour qu'elle puisse aider aussi d'autres personnes. C'est la nature, c'est comme ça. Pourquoi vous vous chamaillez, vous vous acharnez contre la personne que vous-même vous êtes donné corps et âme à soutenir sans qu'elle puisse faire appel à votre personne? Elle ne vous a pas appelé. Nous sommes venus volontiers pour l'aider, pour la parler d'elle, pour la soutenir. Si aujourd'hui elle devient une femme libre, une femme forte, une femme de vision, de projet, ah, si vous commencez déjà à faire palabre, donc vous êtes des amis toxiques, vous êtes des mauvais amis, vous ne voulez pas voir quelqu'un évoluer. Les Congolais, toujours comme ça. Quand il y a l'évolution de quelqu'un, il y a toujours les gens qui l'ont vu évoluer, vont tout faire pour mettre les bateaux dans les roues. Congolais, réveillons-nous. Si Nicki Minaj aujourd'hui faisait un bon Libaku dans l'avenir, elle devenait bien, 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 elle pourra aider même 5, 6 personnes dans la communauté congolaise. Et ça sera la fierté congolaise. Pourquoi vous embrouillez? Pourquoi vous allez passer sur les réseaux sociaux avec des inquiétudes inutiles? Pourquoi vous inquiétez comme ça? Pourquoi? C'est une question que moi je me pose. Toi, tu es venu supporter Niki. Elle ne t'a pas appelé. Peut-être tu ne la connaissais pas. Soit tu la connaissais, mais tu es venu la supporter
par amour, parce que c'est une femme congolaise, c'est une femme qui avait besoin d'aide. Maintenant, aujourd'hui, elle est bien. Tu commences à te chamailler parce qu'elle ne prend pas les téléphones. Mais est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle va commencer à prendre des téléphones? Est-ce que Niki est déjà passé sur les réseaux sociaux en train de dire qu'elle va commencer à décrocher tous les téléphones qu'elle pourra recevoir? S'il vous plaît, soyons des humains. Niki Meng n'est pas Dieu. Elle n'est pas capable de détecter tous les numéros de téléphone qui viennent dans son appel, tous les appels qui viennent dans son téléphone. Elle ne connaît pas les numéros de tout le monde. Mais moi, si je peux l'appeler, elle peut ou ne pas décrocher. Ça va faire quoi? C'est normal, ça va faire quoi? Moi aussi, il y a des appels manqués dans mon téléphone. Toi aussi, qui te plaît là-bas, tu as des appels manqués dans ton téléphone. Si tu ne rappelles pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu crier derrière toi et ou soit crier sur toi que toi tu ne décroches pas? C'est normal, tu as le choix. Je répète encore ceci. Depuis que Dieu, toi qui te plains beaucoup parce que il ne prend pas de téléphone, depuis que Dieu t'a appelé, Jésus l'a appelé depuis combien de temps? Est-ce que toi tu as déjà répondu? Tu as déjà décroché l'appel de Jésus? Tu n'as jamais fait ça. Depuis que tu es né, tu as combien d'années? Si tu as 40 ans, il t'a appelé plus de 40 ans. Chaque jour, il t'appelle, tu n'as pas jamais décroché. C'est pour Niki là. Il t'a appelé une fois, deux fois. Tu commences, tu fais palabre sur les réseaux sociaux. Tu fais palabre contre qui? Qui t'a fait quoi? Qui t'a piqué? Quel moustique t'a piqué, ma sœur? Congolais. Congolais. Bois l'eau froide. Réfléchis un peu. Si elle ne prend pas les téléphones, elle pourra prendre, peut-être elle a pris pour d'autres personnes aussi. C'est normal. Si elle ne prend pas pour toi, elle a pris d'autres personnes. C'est toujours, c'est le Congo qui gagne. C'est la femme africaine qui gagne. Pourquoi la jalousie? Pourquoi vous vous agitez comme ça? Ayez des ailes dans vos habitudes, s'il vous plaît. L'amour prône tout. Il faut mettre l'amour au-dessus de tout. Si elle gagne, si elle fait de bonnes choses, tu pourras dire que moi aussi j'ai porté une pierre pour l'évolution de notre sœur. C'est ce qui compte. Là où Niki aussi serait, elle saura qu'il y a les gens qui ont marché pour moi. Il y a les gens qui ont parlé pour moi. Il y a les gens qui se sont sacrifiés pour moi. C'est ça l'essentiel. Pourquoi Bino Bolingue ka négativité, des négativités qui n'ont pas de sens. Moi, je suis les tontons. Je vous appelle. Moi, quand je fais les analyses, c'est à vous d'écouter, à vous de juger, à vous de liker, à vous de commenter, à vous de partager les vidéos. Mais moi, je suis là pour vous donner des messages. Alors, moi, j'ai fait ma part. C'est à vous maintenant de faire aussi votre part, de partager la vidéo et de commenter, partager tout ce que vous faites. Abonnez-vous aussi à la chaîne aussi. Vous ne serez pas déçus. À la prochaine. Bye.